Bonjour, monsieur Papy! Ça va bien, mon cher? Mais ça va très, très bien. Il fait tellement beau. Oui, bien, les couleurs, l'automne, oui. Ça, c'est quand même, on a du beau temps. On est content. Absolument. On va en profiter en attendant que la neige arrive. Oui. Froid. Oui. Puis ça, fait qu'on va faire des réserves pour l'automne. C'est bien ça. Et les amis sont là, mon cher. Oh, bonjour, les amis! Bonjour. Hey. Comment ça va, les amis? Ils ont de l'air contents d'être ici. Hein? Oui! Hey, ça, on commence les nouveaux épisodes, on commence une nouvelle saison. Avec de nouvelles questions. Avec de nouvelles questions. Oui. Dont une, mon cher, aujourd'hui. Oh oui, allez, je suis impatient de savoir. Oui, qui est le lion. Le lion, ça vous dit quelque chose? Oui. Cet animal-là, qui, on appelle ça le roi de la jungle. Mm-hmm. Et qu'en est-il en réalité de son comportement? C'est quoi, au juste, le lion? Ben, vous savez, on appelle le lion le roi de la jungle, oui. Ou le roi des animaux même. Oui, pourquoi vous on savez? L'appelle comme ça? Ben, c'est un peu, comment dirais-je? Son allure? C'est un peu exagéré. Ah oui? Oui, parce que c'est surtout justement à cause de son allure. Parce qu'il a une grosse crinière, il est gros, il est grand, il est fort, et oui, il rugit très fort. Mais, finalement, il ne fait pas grand-chose. Parce que vous savez que dans le couple, ce n'est pas le lion qui chasse, c'est la lionne. C'est elle qui sort et qui va chercher la nourriture. Qui tue les animaux. Là. C'est elle qui attaque les animaux et qui tue les animaux. Et puis, le lion, lui, lorsque la lionne a fini par tuer un animal et qu'ils peuvent manger, eh bien, le lion, tout bêtement, s'approche et prend avec la force le bétail qui vient d'être tué pour qu'il puisse manger en premier. Eh bien, c'est le roi, c'est normal. Et vous savez qu'un lion peut manger jusqu'à 40 kilos de viande en un repas. Ça remplit quelqu'un, ça, 40 kilos? C'est beaucoup. Okay. Et puis, la lionne n'a pas le droit d'approcher tant qu'il n'a pas terminé. Okay. Et puis, quand il a terminé, eh bien, il s'en va dormir. Bien, c'est normal. Après 40 kilos, je pense que tu vas aller digérer un peu, là. Saviez-vous qu'un lion peut dormir jusqu'à 20 heures par jour? Ah, oui. Mais c'est... Oui. Ah, hein? Bien, les chats, on peut parler de félins, ça, je comprends. Oui, aussi. Exactement. Les chats dorment souvent et longtemps dans la journée. Oui, exactement. OK. Alors, c'est pour ça que... Alors, comme vous voyez, Le nom roi de la jungle, le roi des animaux, eh bien, finalement, ce serait la lionne qui devrait l'avoir. Parce que c'est elle qui chasse. Bon, faut pas exagérer quand même. Lui, il défend quand même la lionne avec sa force et son prestige. Il faut qu'elle soit vraiment mal prise. Oui, mais il est quand même là pour les protéger. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez protéger... Vous voulez... n'est-ce ben, pas? Vous sentez lion aujourd'hui? Le lion, c'est le roi de la jungle. C'est le roi. Un roi, c'est normal qu'il mange le premier. Un roi, c'est normal qu'il y ait quelqu'un pour le servir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parce qu'il a une grosse crinière et des gros muscles... Que? Qui doit être en premier, puis... Oui, exactement. OK. Mais c'est ça, c'est dans la jungle, c'est comme ça que ça marche. Hein? D'accord, je ne m'ostine pas avec vous, mon cher ami. C'est ça. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça pour une autre semaine. Exactement. Ben d'accord, mon cher ami. Les enfants vont rester pour le compte dans quelques instants. Et on se voit la semaine prochaine, Ramius. Il y a un beau compte qui vous attend, les enfants. Oui. Et à la semaine prochaine, à monsieur Papy. Prochaine. Au revoir, les enfants. Ah ben! Hé! Hey. Sirou? Sirou? Oh! Fatigué, mon Sirou? Bon, c'est... I spent the winter! Oh, tu parles anglais avec ça? Excusez! Hey! Tu rêves? Tu rêvais? Oui, je rêvais! Et tu rêves en anglais, c'est quand même bien, ça! Oui! Comment,
Comment ça, t'es fatigué comme ça, hein? L'hiver a été dur. L'hiver a été dur? Oui, puis l'été aussi. Mais regarde! Regarde ce que j'ai! Oh, t'as des réserves? Oh, encore des réserves! Ah, ben, Colin, t'as gardé ça tout le temps, hein? Oui, oh, c'est tu prépares la prochaine saison encore, fait que t'as déjà un petit fond, c'est bon. C'est des noix organiques. C'est des glands? Des glands organiques. Des glands organiques, OK, oui, des glands bio. Oui. Des glands bio. C'est joli, hein? Elle les a empruntés de chez le voisin. Ah, ben ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il est prêt à partager ses glands. Ah, OK. Oui, partager ses glands. Il ne faut pas mélanger, OK? OK. Ah, ben, les amis sont là. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Et on est content de vous voir. Hein? Oui. Et ça faisait longtemps et qu'on est content. Oui! En plus, mon petit roux qui fait ses petites réserves en plus, là, c'est vraiment bien ça! Ah oui! Grâce à toi! Ah, grâce à moi ou grâce au voisin plutôt? Ah, le voisin et toi, ouais. Avec ton grenier! Ah oui, tu vas porter ça dans mon grenier? Ben oui! Ah oui, OK. Ah oui, j'avais oublié ça par exemple. Mm-hmm. Oui! Dormais! OK. Hein? Fait que t'as des bonnes réserves pour préparer pour l'hiver encore, hein? Puis au pire, allez, ben, il y a toujours ta cuisine, hein? Oui, c'est ça. Tu peux faire cuire tes glands dans la cuisine, hein? Oui, ton garde-manger, t'as un très beau garde-manger, il est tout neuf! Oui! T'as fait beaucoup de rénovations chez vous! Non, c'est ça, hein? Ben, c'est parce que j'attendais un monsieur pour venir faire ses rénovations, mais il est tombé malade. Oh! Eh oui, fait que là, on s'arrange tout seul. Papy, il est pas bien fort pour faire des rénovations, hein? Bon! Non. Fait que les troubles que t'as faits, ben, ils vont rester là pour un petit bout. Ça va être plus facile pour toi, hein? Ben, tu viens pour le compte aujourd'hui, hein? Tu savais qu'il y avait un compte, hein? Ah oui? Le premier compte depuis très longtemps. C'était pas juste pour moi? Ah, ben non, c'est pour toi puis pour les amis aussi, là. Oh. Parce que les autres sont là depuis tantôt. Oh! Ben oui. Et le compte aujourd'hui s'appelle Androclès et le lion. Androclès, c'est le nom du monsieur. Oh. Ça avait un drôle de nom, hein? Puis le lion, lui? Le lion, il s'appelle Lion. Lion? Oui. C'est plus facile de même. Tu sais qu'est-ce que c'est. Lion. Comme si t'appelles un chien-chien ou un chat-chat. Mais moi, c'est... Toi, un écureuil. Non, moi, c'est Tirou. Ben oui, je sais que c'est toi, c'est Tirou, mais le lion s'appelle Lion. Mais qui ça, écureuil? L'écureuil? C'est qui, ça? Ben, c'est ce que t'es. T'es un écureuil. Ah oui? Mes amis, papy est tout mêlé ce matin. Quoi, tu te prends pour qui, de bas? C'est Tirou, l'écureuil, je sais pas c'est qui. OK, bon, on se vexera pas. C'est beau, Tirou. Alors, Androclès et le lion. Laver, récurer, dépoussiérer, nettoyer. Toute la journée, les corvées se répétaient dans la demeure romaine extravagante de ce paresseux de Grossus. Grossus était son maître. Mm-hmm. Lui, il était l'esclave. Le pauvre Androclès menait une vie éreintante d'esclave. Quand il ne faisait pas le ménage, il faisait la cuisine. Il n'avait jamais une seconde de repos. Papy! Oui? C'est comme une mère de famille, ça, hein? Oh, ben, oui, à peu près. Elle n'a jamais de repos. Non. Puis quand elle se repose, ben, après ça, il faut qu'elle recommence le lendemain matin. Pauvre femme! Ah, oh, c'est pas une femme, hein? Non, Androclès, non, mais il fait pareil. OK. Et tout cela pour un minuscule bout de fromage dur quotidien. C'est tout ce qu'il recevait pour toute sa journée de travail. Androclès n'en pouvait plus. Il décida de s'enfuir. À minuit, il sortit de la maison sur la pointe des pieds et courut se réfugier dans la forêt voisine. La lune projetait des ombres menaçantes à travers les branches des arbres. Un frisson parcourut Androclès. Soudain, il entendit un hurlement qui lui glaça le sang. Oui! C'était sûrement le cri d'un monstre et il venait de derrière un buisson. Androclès respira profondément, s'approcha et se trouva nez à nez avec un gigantesque lion. Oh! Fit Androclès sur le point de prendre ses jambes à son cou, mais le lion se mit à parler. « S'il te plaît, aide-moi, » gémit-il. « J'ai une épine dans la patte et je ne peux pas l'enlever. » D'accord, compétit Androclès.
peut rassurer tout de même. Il prit la patte du lion et retira l'épine aussi délicatement que possible, tout en gardant un œil inquiet sur l'animal. « Oh, je me sens mieux !» soupira le lion. « Maintenant, je peux te manger !»« Merci, je m'appelle Léo !» Ok, on vient de trouver un nom au lion. Oh. Il s'appelle Léo. Est-ce que Léo va manger C'est ce que Androclès pense, j'imagine. Hein? Mm. Mais à partir de ce jour, Androclès et Léo, qui s'étaient liés d'amitié, vécurent ensemble dans la forêt, partageant jeux et nourriture. Un matin, alors qu'Androclès cueillait quelques baies, un soldat lui sauta dessus. « Je te tiens !» cria-t-il. « Tu dois être l'esclave qui s'est enfui de chez Grossus. » Pourquoi on l'appelait Grossus? Grossus? Oui, Grossus. Hé, je ne peux pas répondre à ça. Parce qu'il était assez dodu. Il était assez dodu. Et il ne va pas imaginer d'autre chose, mon petit roux. Il jeta Androclès dans une charrette et ils roulèrent quinquage jusqu'à Rome. La charrette s'arrêta devant un immense édifice circulaire. Un garde gras et ventru du nom de Nissus les attendait. Il y a beaucoup de sus, hein, là-bas. Oui, ben, c'était les Romains, hein. Ils aimaient ça, les sus, eux autres. Beaucoup, hein. Bienvenue dans l'arène, le maigrichon, gloussa Nissus. Il tira Androclès hors de la charrette et le poussa à l'intérieur. Androclès se demandait ce qui devait lui arriver. Puis, il l'entraîna le long d'un corridor jusqu'à une prison crasseuse, où il jeta Androclès dans la cellule. « Et maintenant, demanda Androclès, qu'est-ce qui va m'arriver? Demain, tu entreras dans l'arène pour combattre, expliqua Nissus. « Combattre? Mais qui? Questionna Androclès, la voix tremblante. Nissus partit d'un grand éclat de rire et dit, « Ben, les lions mangeurs d'hommes, bien sûr! » Cette nuit-là, Androclès dormit peu. Il n'avait pas le goût de dormir, hein? Il était un petit peu inquiet. Le lendemain matin, il fut extirpé de la cellule et précipité dans l'arène. Tout autour, sur les gradins... Il y avait plein de sius! Il y avait plein de sius d'affaires romaines. C'était tous des Romains. C'est tout des sus. Des milliers de Romains bruyants et excités vociféraient. « Le lion! Le lion! » Brusquement, une porte s'ouvrit et une bête massive, écumant de bave, le chargea. « Oh non! » hurla Androclès, qui tomba à genoux pensant que sa dernière heure était arrivée. « Il va me dévorer vivant! » Mais, au lieu de l'attaquer, le lion lui donna un vigoureux et amical coup de langue. Oh, oui, il t'a donné un coup de langue? Dans la face. Ah, OK. Ah oui, il s'est fait vraiment beurrer, pas à peu près. Léo, s'écria Androclès en reconnaissant son vieil ami. Mais comment es-tu arrivé là? Ben, ils m'ont capturé peu de temps après toi, expliqua-t-il. Ils m'ont conduit ici et m'ont enfermé dans une cage avec d'autres lions. La foule n'en croyait pas ses yeux. Androclès avait apprivoisé le lion. Il hurlait « C'est un héros! Hourra pour Androclès! » L'empereur romain fut si impressionné qu'il accorda la grâce à Androclès et au lion. Ainsi, les deux amis partirent dans la forêt, en vie et heureux, et enfin libres. Fait que c'est comme ça qu'Androclès a pu repartir avec son ami, qui, au lieu de le manger, ben, ils ont vécu ensemble longtemps, longtemps. Hein? Mm. C'est bien? Ouais, non. Oh, t'es pas impressionné? Bon, il aurait pu le manger. Ça aurait été plus d'action. Oui, ça aurait été plus violent, c'est sûr. Ben... Oh, je te reconnais bien, mon petit roux. J'essaie de te trouver un conte plus violent le prochain coup. Mais j'espère que les amis, vous avez aimé le conte d'aujourd'hui, hein? Et que vous serez là pour la semaine prochaine pour un nouveau conte. Alors, on dit quoi? On dit bye bye aux amis! Bye bye les amis!